Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi? De la malveillance. Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur? C'est une fabulatrice. Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait, j'ai eu des visions. J'ai peur d'être comme elle. Comme qui? Comme ma mère. C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme, d'une lente disparition, une tragique descente aux enfers. Une mère et son enfant sont ainsi imbriqués, l'un dans l'autre, de manière inextricable. C'est une femme cassée, ta mère. Elle est meurtrie par sa vie. Nous sommes quelque part toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains. Cette histoire, ça n'a rien à voir avec toi, tu sais. Ou avec nous.